Mais ils sont pas encore sur le terrain, donc on a le temps. Jérémy, c'est Wilfried, est-ce que tu m'entends? Moi aussi, je t'entends 5 sur 5, parfait. Là, on a tous les plans, tous vos plans serrés, d'ailleurs. Et donc, on a tous les plans serrés qui sont réunis sur, sur le quad qui est là, avec, ce qui est très important, 3 secondes de décalage. Pendant tout le match, je vais regarder là. Et quand je vais avoir un doute sur quelque chose, je vais descendre mes yeux pour regarder ce qui se passe en bas. Allez, bon match à tous les deux. Bon match. Si certaines rencontres sont assez tranquilles pour les arbitres VAR, ce Lens-Reims n'en fait pas partie. 19e minute, premier cas d'école. Il s'est retourné. C'est l'enjeu. Mounetzi à la lutte avec Danso. Mounetzi face à Samba. Et penalty. Il a sifflé penalty. Penalty rouge. On va revenir à l'APP, s'il te plaît. Tout est vérifié sur les situations qui entrent dans le protocole, y compris le début des phases offensives. Parce que vous savez que si un but est marqué, l'arbitre vidéo va revenir au début de la phase offensive pour voir si rien ne lui a échappé au moment de l'analyse de l'ensemble de la situation. Ok, pas de hors-jeu, il passe devant. Pour moi, Wilfried, c'est un carton rouge pour penser. La loupe gauche. Ok, donc pas de problème sur le penalty. On va juste revenir au début d'APP à la main, tu sais, quand je t'ai dit au tout début. Il a mis rouge, hein, Wilfried. Oui, oui. Donc c'est bon, hein, on est OK. Oui, oui. Reviens encore avant, encore avant. Il faut que ça soit clair. Non, c'est bon. C'est bon. Si je me suis trompé, je changerai. On regarde. Wilfried pour Jérémy. But à... penalty, pas de problème. Carton rouge, pas de problème. La poussée est claire. Tout est confirmé. Oui. Et donc cette rencontre va devenir très compliquée pour les Lensois. Oh, il était tout proche en bas, mais ça va au fond. Balogun qui marque 1-0 pour le Stade de Reims. Et la soirée est loin d'être terminée pour les joueurs et pour les arbitres. Penalty. Il a sifflé. Penalty. Et on voit Jérémy Pignard qui dit « on va voir, mais pour lui c'est à l'intérieur ». Oh, il y a une charge dans le dos, c'est pas sur le côté, donc pénalty. Tu vas m'arrêter au moment de la charge. Ok, stop. Est-ce que tu as une autre image? Tu me fais un arrêt au moment du contact. Parfait, c'est bon, ça me suffit. Wilfried pour Jérémy. Contrôle terminé, elle est clairement à l'intérieur. Clairement dedans, clairement pénalty. Et c'est confirmé. Pénalty accordé. J'apprécie, c'est bien. Top. La prise d'élan, et c'est dans l'axe cette fois. Et voilà de Chavir, ils sont 10, mais ils sont des milliers en plus. Et contrairement aux idées reçues, les arbitres assistants vidéo revisionnent tout, pas seulement quand le central les sollicite, comme cette faute de Machado en toute fin de première période. Stop. Non, c'est involontaire, ouais. Vas-y. Oui, c'est involontaire. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe là. C'est la mi-temps, un partout, mais les arbitres VAR doivent, eux, rester vigilants. Tu peux remonter un petit peu en arrière, Gabriel, sur ce que t'as, si t'as quelque chose. Allez, c'est bon. On garde les deux buts et les deux pénaltys, s'il te plaît. Parfait. Merci. 10 minutes pour décompresser, et tout le monde est déjà de retour. Donc, coup d'envoi Lens. On n'oublie pas qu'il doit y avoir que 10 Lensois. Il y a pas mal de petites décisions à prendre sur un laps de temps. Fofana, Fofana toujours. Ouais. Eh ben on va repartir du tout début. Encore avant, voilà, là, parfait. Le but c'est parfait. Accordé. Tu me laisses dérouler tout jusqu'au bout. D'accord. Wilfried pour Jérémy, but accordé, coup d'envoi. Parfait, ok, Will. Lens prend l'avantage grâce à son capitaine dans un match extrêmement tendu. Non, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de contact. Parfait, excellent. Attends, je vais regarder. Je vois juste ce qui se passe en direct. Y a rien du Vas-y. Tout, je sais très bien. On va parler. Y a rien. Y a pas touché, tu restes sur le direct. Non, non, c'est tout bon. Il a tout vu. Tout va bien. Ce qu'il fait là en ce moment, c'est n'importe quoi. D'accord. Là, il y a clair simulation. Il y a tout. Il va vers les bancs. C'est un bazar, c'est clair. Il en refait une. Non, 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 non. Moi, je me casse pas la tête. Je me mets dehors. Clair et net. Clair et net. D'une simulation à une autre, après Sotoka, voici Balogun. Potentiel hors jeu. Okay. Il a sifflé quoi? Pas regarder.
Alors, il faut que je vois le contact avec le gardien de but, s'il te plaît. Oui, oui, c'est bon, il n'y a pas d'hors-jeu, je veux voir le contact avec le gardien de but. Voilà, sur la loupe gauche, par exemple. Regarde avec le plan large, ils ont montré le plan large, regarde, et là, après, ils montent la loupe. Ouais, c'est la loupe gauche, il n'y a aucun contact. Non. Ok. Wilfried pour Jérémy. Je vais t'inviter à venir voir les images, s'il te plaît, il n'y a aucun contact. Donc tu lui prépares celle-ci. Jérémy Pignard doit venir voir les images. C'est en effet à l'arbitre terrain de trancher. Il est le décisionnaire final dans un tel cas de figure. Parfait. Simulation claire. J'annule le jaune du gardien. Je prends par jaune pour le 29 noir. Okay. Tout à fait. Il joue le 29. Y a rien. Il a le ballon. Il est au niveau de la surface de réparation. Terminé pour toi. Avec le ballon dans les mains. Oui, c'est parfait. Il a annulé le carton. Il a annulé le carton du gardien et il met un carton au 29 noir. Wilfried, c'est excellent, bravo, parfait, très très bien. Allez, on continue. Car les situations litigieuses s'enchaînent dans cette rencontre. Encore un potentiel pénalty pour cette main de Medina. Elle est au sol, main d'appui, corner. Contrôle en cours, La main claire et le sol. Sur le plan serré, c'est déjà... Moi aussi, la main est claire au sol. Wilfried pour Jérémy, contrôle terminé. Elle est claire au sol. Et sur le corner qui suit. Oh, le ballon avec Balogun qui était tout prêt de pouvoir reprendre. Ok, il n'y a pas de problème, aucun souci. Il le touche dans le dos, il n'y a pas de souci. Les deux se tiennent là. Regarde, fais voir. Oui, il le tient là devant, c'est parfait, les deux se tiennent. Lens s'impose 2-1 en infériorité numérique dans un match intense pour tout le monde, joueurs, entraîneurs et arbitres. Merci Will, bravo, excellent. Bravo, un grand bravo, bravo à toute l'équipe, les gars. Bravo, un grand bravo, rentrez bien, bravo. C'est un grand match, bravo. Allez, super boulot, c'est très bien. Retour. Merci beaucoup.